Mais casse-toi, putain! Ouais, je suis dans le vide, mec. Oui. Un drapeau. C'était pas lui. Cette ville du passé qui l'empoisonne. Vous faites le bon choix. Je l'ai trouvé. Pourquoi avoir fait cela? Les hommes doivent être libres de leurs croyances. Ce n'est pas à nous de les juger ni de les punir, même si nous sommes en désaccord. Et alors? Pourtant, vous devriez savoir quoi faire. Leur montrer la voie, distinguer le bien du mal. C'est le savoir et non la force qui les libérera. Ils n'apprennent rien. Ils restent avec leurs idées bien arrêtées. Tu es bien naïf de penser le contraire. C'est une maladie. Et il n'y a qu'un seul remède à cette maladie. Tu te méprends. C'est pourquoi il faut mettre un terme à tes méfaits. Suis-je différent de ces précieux écrits? Je suis moi aussi. Une source de savoir qu'au fond de toi tu désapprouves. Et pourtant tu as bien hâte de m'éliminer. Je le fais pour le bien de tous. C'est un petit sacrifice. Pourtant, ne sont-ce pas d'anciens écrits qui ont inspiré les croisés? D'anciens écrits qui ont mis Salah ad-Din et son armée dans une rage légitime? Ces textes sont un fléau pour l'humanité, car ils appellent la mort. Ouais. C'est un petit sacrifice que je faisais, moi aussi. Peu importe maintenant. Tu en as terminé. Et moi aussi. Comment il y a la masse de people sur ces toits? Thank you.
Bonsoir. Altaïr, tu viens me dire que tu as réussi ? Oui. Oui. Les foyers allumés par Joubaïr se sont éteints comme lui. Excellente nouvelle ! Je savais que tu réussirais. Tu aurais dû les voir. Les savants le suivaient de bonne grâce. Ils ne se contentaient pas de jeter des livres au feu, mais tous ceux qui s'opposaient à eux. Une telle ignorance n'engendre que le mal. Et tu as fait le bien aujourd'hui. Comme mes autres victimes, Joubaïr pensait faire le bien et montrer la voie vers un avenir meilleur. De telles divagations ne pouvaient qu'être l'œuvre d'un esprit égaré. Toutes ces choses que j'ai vues ces derniers temps, c'est comme si le monde devenait fou. C'est pourquoi nous devons lutter pour mettre fin à cette guerre. Le peuple a besoin d'être guidé. Et il est aisé pour des hommes comme Joubaïr d'exploiter sa détresse à leur profit. Va voir Al-Mouali, explique-lui ce dont tu as été témoin et informe-le du bien que tu as fait. Paix et sérénité, Rafik. Paix et sérénité. Avance rapide vers une séquence plus récente. Oh, je me réveille carrément dans le mur, moi. Téléporte-moi à Massif, s'il te plaît. Oui. J'en ai très besoin. Si vous n'avez plus de couteau de lancer, retournez à Massif ou dérobez ceux des bandits. Mettre de la lumière, je n'y vois plus rien. Tout ce bordel qui bouge. Sois le bienvenu. Quelles sont les nouvelles ? Ça y est, Malam a fait une nouvelle victime. Alors la mission qui t'a été confiée touche à sa fin. Et ton honneur te sera rendu. Une question, maître. Puis-je ? Parle, je t'écoute. Pourquoi ces hommes, Joubaïr et Sibrand ? Ah, ne vois-tu pas ? Ils ouvrent la voie au changement. Il ne faut jamais attendre que la menace se précise pour intervenir. Les affaiblir revient à affaiblir notre ennemi. J'y vois plus clair à présent. Si ces hommes poursuivent leur mission, c'est la nôtre qui s'en trouvera compromise. Est-ce possible ? Nous leur avons causé beaucoup de pertes. Il ne suffit pas de frapper. Imagine que tu affrontes une hydre. Chaque tête qui tombe est aussitôt remplacée. Il nous faut trancher la tête immortelle pour en finir. Mais le moment n'est pas encore venu. Il ne reste plus qu'un seul homme qui se dresse entre nous et notre but. Je me remets au travail. Plus vite nous l'aurons éliminé, plus vite je pourrai affronter notre véritable ennemi. Avant que tu ne partes, moi aussi j'ai une question à te poser. Allez-y. Quelle est-elle, cette vérité ? Nous n'avons foi qu'en nous-mêmes. Nous percevons le monde tel qu'il est. Nous prions pour qu'un jour l'humanité fasse de même. Et qu'est-ce que le monde ? Une illusion. Nous pouvons nous y soumettre, comme beaucoup, ou la transcender. Pourquoi la transcender ? Pour admettre que rien n'est vrai et que tout est permis. Les lois n'émanent pas du divin, mais de la raison. Je réalise maintenant que notre credo ne nous ordonne pas d'être libres. Il nous ordonne d'être sages. Comprends-tu maintenant pourquoi les Templiers sont une menace ? Nous voulons dissiper cette illusion. Eux s'en servir pour régner. Exactement. Pour façonner le monde comme ils l'entendent. C'est pourquoi tu t'es emparé de leur trésor et que j'ai mis celui-ci sous clé. C'est pour cela que tu dois les tuer. Si un seul d'entre eux survit, survivra aussi leur désir de créer un nouvel ordre mondial. Prends ton équipement. Trouve le dernier homme. Il sera mort, Robert de Sablé sera enfin vulnérable. Ce sera fait. Que la paix soit avec toi, Altaïr. Ma dernière partie d'équipement. Ma dague a été améliorée, d'accord. Ok. Parfait. Et bien voilà, j'ai toute ma barre de vie. Donc c'est le dernier que j'ai à tuer. Le dernier homme que j'ai à tuer. Et après, bah la fin, Robert de Sablé, tout ça, etc. Bref. Vous verrez, hein. De toute façon,
façon, je vais pas vous spoiler pour le moment. Pour ceux qui savent pas encore, bon. Le jeu est sorti quand même il y a assez longtemps, hein. Après, il y en a qui l'ont pas forcément acheté, donc... je spoile pas pour ceux qui l'ont pas. Et ceux qui connaissent pas la fin. On emprunte le même chemin à chaque fois. J'aime bien ce chemin. Je regarde s'il n'y a pas de drapeau. Ça me dit bien qu'il y a un drapeau par là. Ouais. Et ouais. Voilà. C'est parti. Oh. Monte à cheval. Mais non, je cours pas, je galope. Bata. Popopo. J'étais tout mis dans le as. Eh bien, allons à Acre. Donc normalement, il devrait y avoir moins de gardes. Donc moins de combats qui durent 3 heures. Puis moins de types à sauver, de types à... Parce que ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. Bref. N'empêche, j'ai un bel équipement maintenant. C'est parti. Poussez-vous, messieurs les gardes. Si je leur balance le cheval à la gueule. Ah, je suis déçu. Le cheval, il s'arrête. Pas drôle. Ce que j'aime bien, c'est la manière d'entrer dans les villes qui diffère. C'est pas mal, je trouve. Il a pas l'air d'être grand ce quartier. Je vais être soulagé quand je les aurai tous faits, quoi. Pardon les érudits, désolé, j'ai pas fait exprès. Je vous jure, c'était pas mon intention. What the fuck? Pas fait exprès, monsieur. Désolé. C'est vrai, hein, pour une fois. Ouf. Je t'emmerde. Laisse-moi tranquille. Pas de problème. Pas de problème. Bonjour Altaïr. Quelle nouvelle ? Parfait ça. Je connais la prochaine cible. Un certain Sibrand. Oui, je le connais très bien. C'est le nouveau chef des chevaliers teutoniques. Il réside dans le quartier vénitien et administre le port d'Acre. Je me mets à la tâche immédiatement. Voici les lieux où il faut concentrer tes recherches. Sur les quais à l'est du côté des navires et de leur équipage. Ensuite, vers la chapelle au nord-est près de la croix qui surplombe le port.
et enfin au nord, devant la porte Saint-Jean. Je te remercie. Voilà qui me sera d'une aide précieuse. Altaïr. Oui, Rafik. Je te dois des excuses. Pour quelle raison? J'ai douté de ton dévouement à notre cause. Non, j'étais dans l'erreur. Je me suis cru au-dessus du credo. Tu ne me dois rien. Si tu le dis, mon ami, sois prudent. C'est vrai, j'étais un peu arrogant. Un peu, hein. Ok, allons par ici. Nickel. Désolé madame. Je vois un aigle. D'accord, ici c'est parfait. En plus, c'est pas un point d'observation au milieu de n'importe où. Sauter dans celui-là. Totalement perdu la tête, monsieur. Vous inquiétez pas, elle revient rapidement, normalement, d'habitude. Allons ici. Charger la dernière caisse de victoire sur son navire ce matin. Et combien il y en a? Assez pour plusieurs semaines. Je me demande ce qu'il prépare. Et s'il avait l'intention de s'enfuir? Quelque chose le terrorise. Je dois partir. Il a demandé à ce que je porte une lettre à un messager à la porte Saint-Jean. Mieux vaut ne pas le faire attendre. Ouais. Je crois qu'il craint moi. J'en ai rien à foutre de toi, mec. La foutre de toi. T'as qu'à le voler ce que tu veux, connasse. Un peu débile cette meuf, quand même.